Bon, je m'appelle Monsieur Saïd Salim, je suis responsable du département des questions de pêche et environnement au ministère des Transports. Je suis membre du groupe AIAF Fish Africa et je suis content de participer à ce programme, compte tenu que mon pays c'est un petit pays vulnérable, que nous dépendons beaucoup de la pêche. Et ce programme nous soutient au niveau de renforcement de capacités et pour lutter contre la pêche illégale dans la zone océan Indien. Donc c'est un bon programme pour nos pays et pour que nous puissions mettre en commun tout notre arsenal juridique pour stopper ce fléau. Qui est un fléau mondial. Pour les Comores, nous avons un registre qui est ouvert, qui est basé à Dubaï, et le responsable délivre des enregistrements à des bateaux qui souvent font de la pêche ENN en Afrique de l'Ouest, ce qui fait que les Comores sont souvent cités comme un mauvais exemple par l'Union européenne. Et dans ce cadre, les Comores ont soutenu l'intégration de la Somalie dans ce programme, puisqu'on connaît les difficultés politiques qui traversent ce pays. Donc, à l'état grand, on pourrait échanger beaucoup les informations dans le cadre d'une coopération de ce programme.